de l'histoire de Disneyland Paris? Peut-être, peut-être. Est-ce que tu peux aller dans la salle le chercher? D'accord. S'il te plaît. J'y vais. J'y vais. Alors, ce candidat a commencé en 2004 à Relations Visiteurs. Est-ce que tu vois... Oui, ça se précise, très clairement dans ma tête. Là. Alors ensuite, il a partagé son expérience à Walt Disney World. Je sais qui c'est, Prisca. Ah, tu sais? Je vois qui c'est, par contre... Non, en fait, je le vois pas. Alors moi, ce qui m'étonne encore plus, le connaissant, c'est surtout, je ne l'entends pas. D'accord. C'est pas son genre. Alors écoute, j'ai bien une idée, on pourrait peut-être lui chanter sa chanson préférée, pour le trouver. Alors on va essayer. Hein. There's a great big beautiful tomorrow. Ouais, alors... on va je retenter, vois pas hein. du tout. Je vais tester de l'autre côté, on sait jamais. Vas-y, va voir là-bas. Bon, j'espère que ça marche un peu de ce côté. Hein. There's a great big beautiful tomorrow, and tomorrow is just a dream away. And when it becomes a reality, it's a dream come true for you and me. So there's a great big beautiful tomorrow, shining at the end of every day. There's a great big beautiful tomorrow, just a dream away. Merci. Dis-moi, Régis, qu'est-ce qui t'a marqué le plus à Disneyland Paris? Mais ce que j'ai toujours préféré, et ça depuis que j'ai visité le parc pour la première fois quand j'avais 15 ans, c'est vraiment la magie de ce lieu. Et le fait que bah, quand on est ici, on partage et on prend part aussi aux histoires de ce parc. Et on a vraiment des attractions qui sont étonnantes. Et je me rappelle d'ailleurs la première fois que j'étais venu ici, bah, j'avais fait à peu près une bonne douzaine de fois Pirates of the Caribbean et Phantom Manor. Je vais pas pu m'empêcher. Merci. Dis, on sait que ton métier te tient à cœur. Oui. Explique-nous pourquoi. Bah, une chose assez drôle pour moi, en fait, c'était ma première visite en information du parc Disneyland, City Hall, au 21 Times Square de Main Street USA. C'est possible. Et je me rappelle vraiment avoir été impressionné par le décor de ce lieu et aussi par les cast members qui y travaillaient. Aujourd'hui, Disneyland fait partie de mon quotidien. Et je suis un de ces cast members que vous pouvez rencontrer à City Hall et même à Studio Services. Merci Régis. Écoute, tout à l'heure, tu as relevé un défi chanté. Est-ce que tu es prêt pour un défi musclé? Ouais, tout à fait. Le courage fait partie de nos valeurs Disney et je me dois de lui faire honneur. Très bien. Dans ce cas, j'appelle l'homme le plus fort de tout Disneyland Paris. Moi, je suis pas Régis, hein. T'as pas un message pour Régis, s'il te plaît? Non? Un message? Ah oui. Ah. Merci, monsieur le président. Régis, la porte est avec toi.